Cette exposition vise à présenter la sculpture académique du 19e siècle et a été conçue autour des prix de Rome. Donc l'idée de raconter qu'est-ce que le prix de Rome au 19e siècle, notamment le grand prix de sculpture au 19e siècle. Donc pourquoi cette thématique d'exposition à Nemours? Mais en fait, l'histoire est liée à l'histoire du musée de Nemours installé au château depuis les années 1901-1903. En fait, le musée a été fondé par un grand prix de Rome de sculpture, grand prix de Rome en 1861. Un homme qui est représenté juste au milieu de cette frise de trois personnages, un homme qui s'appelle Justin Chrysostome Sanson. Et cet homme, donc né à Nemours, obtient cette distinction suprême pour un artiste encore au 19e siècle de Grand Prix de Rome de sculpture. Et n'ayant pas de descendance ni d'enfant, il lègue tout son fonds d'atelier au musée qu'il fonde. Au château de Nemours. Le musée dispose dans ses collections de l'ensemble du fonds d'atelier de Justin Chrysostome Sanson. Et donc à partir de cette matière, à partir de ce fonds, il était, on va dire, judicieux, important, du point de vue de la mémoire, de transmettre cette histoire des prix de Rome et surtout de concevoir une exposition autour des prix de Rome à partir du matériel du fonds Sanson et légué au musée. Alors, ce château a été construit il y a 850 ans par un seigneur qui s'appelle Gauthier Ier de Villebéon, qui a été Premier ministre de deux rois de France. Donc à l'époque, ce titre de Premier ministre n'existait pas, on appelait cela un grand chambellan. Et donc ce Gauthier Ier de Villebéon a servi le roi Louis VII et le roi Philippe Auguste à une époque où Nemours était une zone stratégique, une zone frontière qui protégeait la bordure, la frontière du royaume de France au XIIe siècle. Donc la place était vraiment une place forte militaire, importante pour le royaume de France, qui protégeait donc la frontière avec le comté de Champagne, qui lui était ennemi des rois de France. Dans cette exposition consacrée au Grand Prix de Rome de sculpture au XIXe siècle, il était important également de prendre le contre-pied dans cette exposition et de ne pas faire croire au public qu'il suffisait d'être Grand Prix de Rome de sculpture au XIXe siècle pour avoir une carrière. On connaît notamment l'exemple de Rodin qui, sans avoir été Grand Prix de Rome de sculpture, a eu une carrière mirifique qu'on lui connaît. Et donc de proposer dans le parcours d'exposition une sculpture de Rodin
qui coupait avec un certain classicisme. Les musées de Sens nous ont prêté, dans le cadre de cette exposition, un bronze qui représente l'homme au décassé, réalisé par Rodin. En présentant cette œuvre, l'idée était aussi d'évoquer une histoire liée au château, puisque Rodin aurait pu s'installer ici au château dans les années 1894 pour travailler notamment sur ses grands plâtres. En fait, il cherchait en Île-de-France un lieu à la hauteur du travail qu'il pouvait réaliser, donc un vaste lieu. Il entend parler du château de Nemours et la ville pouvait proposer à des artistes la possibilité de pouvoir louer des espaces et notamment pour y travailler sur de la sculpture. Et Rodin entend parler du château de Nemours et communique avec le maire de l'époque via des lettres qui sont exposées ici dans cette exposition pour connaître le prix de location de cet espace au rez-de-chaussée et va donner de l'argent à la ville de Nemours pour s'installer au château. Et finalement, il ne s'installe jamais puisqu'il trouve un Meudon où il va pouvoir donc réaliser son atelier de sculpture. Le concours du prix de Rome existe depuis le XVIIe siècle et représente au cours du XVIIIe et XIXe siècle vraiment la consécration absolue pour tout artiste qui se destine à une carrière des beaux-arts. Ces artistes vraiment peuvent obtenir grâce à cette récompense, de manière générale, une consécration et surtout des commandes publiques et privées à la suite de l'obtention de cette distinction. Il faut savoir que donc tous ces artistes distingués, prix de Rome, sont passés donc par l'école des Beaux-Arts, qui était vraiment l'antichambre des prix de Rome, et donc tous les ans étaient nommés différents prix, que ce soit donc en peinture, en sculpture, en architecture, en composition musicale, en gravure. Et donc ces artistes deviennent pensionnaires de la Villa Médicis à Rome pendant 4 ou 5 ans. Ce château-musée est actuellement donc ouvert depuis 2007 après des années de fermeture et de travaux et donc présente une à deux expositions temporaires par an à l'heure actuelle.